Salut à tous et bienvenue dans la suite de cette formation. Déjà, il est important de noter qu'on a fini avec la page d'accueil dans tout son aspect, donc on l'a adaptée de façon à ce qu'elle puisse s'afficher convenablement, quel que soit le type d'écran sur lequel on travaille. Ici, on va travailler sur la page du blog que vous voyez ici et que j'avais déjà présenté lors du projet. La bonne nouvelle dans ce cas, c'est qu'on a déjà fini de travailler le header et le footer et qu'on va juste modifier quelques petits éléments, peut-être 2 ou 3 lignes dans le header pour l'adapter au contexte de la page dans laquelle nous sommes. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de revenir dans notre éditeur de texte et de créer un nouveau fichier HTML qu'on va appeler blog.html. Ce fichier HTML étant créé, on va supprimer tout ce qui est à l'intérieur, sa structure ne nous intéresse pas. Par contre, on va se rendre dans notre index.html qu'on avait déjà créé depuis. Et juste à la fin du commentaire du header section, on va copier tout ce qui s'y trouve jusqu'à la doc type. On fait un CTRL-C pour copier et on vient coller ça au niveau de blog ici. Donc, à cet instant précis, on a déjà le header et si on se rend dans notre navigateur, on va partir dans notre projet. Ici, là où on est index.html dans la barre de navigation, on va plutôt taper blog.html. Et si on ouvre, vous voyez qu'on a ces liens qui apparaissent désormais ici avec le Coding City. On va revenir dans notre éditeur de texte et on va faire la même chose au niveau du footer. Donc, à partir du commencement du commentaire du footer, on va couper tout jusqu'à la fermeture de la balise, HTML. On va copier autant pour moi, on ne va pas couper. Et on va revenir par ici. On va également coller cela. Si on revient regarder dans notre navigateur, on va se rendre compte qu'on a également le footer qui se superpose au header, ce qui est normal vu qu'il n'y a aucun contenu entre les deux. Donc on va revenir et on va modifier légèrement notre page de blog ici, de façon à ce que ce soit dans le contexte de la page sur laquelle on est en train de travailler. Au niveau des liens, dans un premier temps, on va mettre les liens à toutes les pages. Et on va dire qu'ici, c'est index.html, on aurait même dû le faire depuis, mais ce n'est pas grave, on le fait ici. À ce niveau, on va dire que nous sommes sur le blog.html. Non, ce n'est pas à ce niveau qu'on va mettre le lien du blog. On va commenter, on va remettre le dièse et on va plutôt mettre le blog là où il y a la page blog en elle-même. Donc ici, ça sera blog.html. Pour le moment, on ne va pas mettre les autres liens parce qu'on n'a pas encore créé ces pages. Et s'il arrive qu'on clique sur ces liens par inadvertance, ça va nous renvoyer une erreur vu que ces pages n'existent pas. Donc on va laisser ces deux liens pour le moment et on va revenir au niveau de l'index pour gérer ça aussi. Au niveau de l'index, la page d'accueil, ça sera simplement index.html et au niveau du blog, on va laisser celui-ci, on va s'intéresser plutôt au sous-lien blog et ça sera blog.html. Ensuite, vu que nous sommes sur la page blog, on a envie que ce lien soit actif. Donc là, on a déjà mis actif et on va enlever le actif qui se trouve au niveau de la page d'accueil ici. Si on revient regarder dans notre page, on va actualiser. Vous voyez que désormais, les liens deviennent clairs, on ne les voit plus, mais quand on les survole quand même, ils sont là et on a le lien qui est actif ici. Donc, on va gérer ces liens de telle sorte qu'ils s'affichent convenablement comme il se doit. Pour gérer ce cas, c'est relativement simple. On a l'index ici et on a le blog ici. Les deux ont la même en tête, mais il se trouve que les deux ne réagissent pas forcément de la même façon en fonction de la page sur laquelle on se trouve. Donc, pour gérer ce genre de cas, par exemple, quand on regarde ici, on se rend compte que le fond est clair. C'est pour cela que les liens ne se voient pas. Par contre, quand on est au niveau de la page d'accueil en elle-même, le fond était sombre et les liens se voyaient pour peu qu'ils soient blancs. On va revenir au niveau de la page blog et dans blog.html, au niveau de la classe header, on va lui rajouter une deuxième classe. Et cette deuxième classe sera simplement light header. Comme pour dire un header qui aura un fond clair. Et de cette façon, on va revenir, dans notre fichier header.css. En fait, dans notre sous-fichier header.css, on va se placer tout en bas. Et on va dire que si on a un header qui est associé à la classe header light, light header, je crois que c'est la classe qu'on a donnée. Pour ce header, on veut que la couleur, en fait, soit simplement la couleur principale qui est $main_color. On va enregistrer. Et avant d'aller tester ce code, pensez à démarrer votre préprocesseur. Je crois que moi, je l'ai déjà fait à l'avance. Oui, je l'ai fait. Donc, on va aller regarder et on va voir ce que ça donne si j'actualise. Vous voyez que désormais, les liens s'affichent.
Donc, les liens s'affichent. Les liens s'affichent simplement parce que on a dit que on a une nouvelle classe qui va s'appeler le light header qui a un fond clair. Et lorsque nous sommes sur ce light header qui a un fond clair, on aimerait que la couleur de texte soit simplement orange, qui est la couleur principale dans notre projet. Et résultat des courses, on obtient ce résultat. Donc, on vient de mettre là en place le header et le footer de notre page blog.html. On va se donner rendez-vous dans la prochaine partie et on va commencer à enrichir les blocs qui se trouvent entre les deux éléments header et footer. Je vous donne rendez-vous à très bientôt et surtout n'oubliez pas, abonnez-vous toujours à la chaîne et continuez de partager les liens, continuez de me laisser des j'aime. Merci à vous.